Alors dans cette vidéo, on va étudier les différences entre nucléophilie et basicité. Donc on va en particulier préciser les deux concepts qui sont le concept de nucléophile et de base, et puis étudier leurs différences. Alors en fait, les différences sont assez subtiles entre ces deux sortes de composés, et c'est très important de maîtriser cette subtilité pour ensuite pouvoir comparer la réactivité de ces composés selon les mécanismes de substitution nucléophile ou d'élimination qu'on abordera dans les deux vidéos suivantes. Donc on va commencer par la nucléophilie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un critère qui est cinétique. Ça veut dire qu'il est lié à la vitesse de la réaction de l'attaque d'un nucléophile. Et donc plus la vitesse de la réaction de l'attaque nucléophile sera élevée, plus le nucléophile sera dit fort. Par contre, plus la vitesse de réaction sera faible, plus le nucléophile sera dit faible. Donc c'est vraiment bien important de comprendre ce concept et de le lier à la cinétique, à la vitesse de réaction. Et en gros, il y a deux paramètres à prendre en compte lorsqu'on étudie la force d'un nucléophile. C'est d'abord la charge et ensuite sa polarisabilité. Alors commençons par la charge, en comparant deux espèces et en essayant de déterminer laquelle est celle qui a le meilleur caractère nucléophile. Donc on va regarder l'ion éthanolate, avec sa charge négative moins, et l'éthanol. Donc de ces deux composés, quel est celui qui va être le meilleur nucléophile? À droite ici, sur l'éthanol, on sait que l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, donc il va porter une petite charge partielle delta moins, tandis que l'hydrogène va porter une petite charge partielle delta plus. Donc si j'ai un électrophile qui s'approche, et je vais écrire mon électrophile de manière tout à fait générique, sous la forme E+, chargé positivement. Donc lorsque cet électrophile va s'approcher de ces deux espèces, eh bien laquelle de ces deux espèces va réagir le plus rapidement, va s'approcher le plus rapidement de cette charge positive? Celle qui porte une charge formelle complète négative, ou celle qui porte uniquement une charge partielle négative? Évidemment, c'est celle qui porte la charge formelle, complète, négative, qui va être le plus attirée par l'espèce positive ici, par l'électrophile, donc c'est celle-ci qui va réagir le plus rapidement. Donc on peut dire qu'en fait, l'ion ici est un nucléophile fort, comparativement à l'éthanol ici, qui sera un nucléophile faible. Bon, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, hein, c'est qu'on compare ici des vitesses de réaction. Hein. Donc l'attaque nucléophile de l'éthanolate sur l'électrophile ici sera beaucoup plus rapide que l'attaque ici nucléophile de cette partie de la molécule sur l'électrophile. Donc l'autre paramètre à prendre en compte, c'est la polarisabilité. Alors la polarisabilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est la capacité du nuage électronique d'une espèce à être déformé sous l'influence d'un champ ou d'une charge extérieure. Donc, prenons un exemple. Donc on va prendre à nouveau l'éthanol, et on va mettre ces doublés non-liants ici sur l'oxygène après. On comprendra plus tard pourquoi. Et on va comparer donc l'éthanol à son analogue soufré, donc à un thiol, à l'éthanthiol ici, et donc à la place de l'oxygène, je mets le soufre. Alors l'oxygène et le soufre sont dans le même groupe, dans la même colonne, dans la classification périodique des éléments, donc en disant des réactivités tout à fait identiques. Ils ont chacun deux doublets non-liants. Et puis le soufre est en dessous de l'oxygène dans la classification périodique. Donc il est simplement plus gros. On sait qu'il est plus gros que l'oxygène, hein. Donc quand je vais mettre les doublets non-liants ici, autour du soufre, eh bien en fait, je vais les mettre plus loin, pour montrer qu'ils sont plus éloignés. Donc je vais mettre un doublet non-liant ici, et un doublet non-liant ici. Alors que l'oxygène ici, je vais les mettre plus près. Donc c'est un petit peu exagéré en fait, c'est une représentation uniquement visuelle ici de ce qui peut se passer. Donc on sait que ces doublets ici sont plus éloignés du noyau sur le soufre que sur l'oxygène. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque j'ai un électrophile qui va arriver? Donc encore une fois, j'utilise l'écriture générique de mon électrophile, E+, comme ceci, chargé positivement ici. Donc quand il va s'approcher, qu'est-ce qui va se passer? Ces électrons ici, qui sont dans les doublets non-liants, ils sont assez loin du noyau. Donc ils sont pas très attirés par le noyau. Et donc ils vont être plus disponibles pour être attirés par ceci. Donc en fait, ici on va dire que ce nuage électronique est assez polarisable. Parce que ces électrons ici, ils sont plus éloignés du noyau, donc moins attirés par le noyau du soufre qui est chargé positivement. Donc ils vont être plus disponibles pour attaquer ici l'électrophile. Alors qu'ici, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ces doublets ici, ils sont assez proches du noyau. Ils sont déjà assez attirés par une charge positive. Donc ils sont moins polarisables, moins disponibles pour approcher cet électrophile ici chargé positivement. Donc ici, le soufre, il est plus polarisable que l'oxygène. Donc il va être un meilleur nucléophile parce que ces électrons ici, qui portent le caractère nucléophile, sont beaucoup plus disponibles à une attaque nucléophile
que ces électrons ici. Donc on pourra dire de la même façon ici que pour les thiols, on aura un nucléophile fort, en tout cas plus fort que pour les alcools. Donc ici, ce sera un nucléophile faible. Et alors on va retrouver la même chose avec les halogènes. Par exemple, si je prends l'ion iodure, I- avec ses quatre doublets non liants et sa charge moins. Alors de la même façon, ça va être un nucléophile qui est fort parce qu'il est fortement polarisable. Iode, il est en bas quand même de la classification périodique des éléments, hein, en fait, c'est le dernier dans la colonne des halogènes, si on prend juste le fluor, le chlore, le brome, le iode, donc c'est le plus gros, donc il a un nuage électronique qui est très volumineux, et donc ces électrons ici, eh ben, sont très éloignés du noyau. Donc comme ils sont très éloignés du noyau, eh ben, ils vont être assez disponibles, et le nuage électronique, hein, où il y a tous ces électrons ici, va être facilement déformable pour pouvoir attaquer cette espèce électrophile lorsqu'il s'approche. Donc ici aussi, on va avoir un nucléophile fort. Et juste une petite remarque, hein, si on descend la colonne des halogènes, donc si on passe de l'iode au brome, au chlore, au fluor, eh bien en fait, les atomes sont de plus en plus petits, donc eh bien ce caractère de polarisabilité va diminuer parce que les électrons seront de plus en plus proches du noyau, donc de moins en moins disponibles pour être déformés et pour pouvoir attaquer un électrophile. Donc voilà pour la nucléophilie. On va s'intéresser maintenant à la basicité. Donc on va regarder si tout simplement on va avoir une base faible ou une base forte. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pour la basicité, on regarde un critère cette fois-ci thermodynamique, qui est lié à la constante d'équilibre. Et ce qu'on fait en fait pour étudier la basicité, pour savoir si on a une base forte ou une base faible, eh bien on regarde le pKa de l'acide conjugué. Donc on étudie le pKa de l'acide conjugué, voilà la méthode pour regarder si on a affaire à une base forte ou une base faible. Donc on va prendre un exemple, avec l'ion chlorure par exemple. Donc j'ai l'ion chlorure, c'est L- avec ses quatre doublets non liants. Et je me pose la question de savoir, est-ce que c'est une base forte, est-ce que c'est une base faible? Donc je regarde l'acide conjugué. Donc pour avoir l'acide conjugué, tout simplement, je protonne le chlore et j'ai donc HCl. Et ensuite, je vais regarder le pKa. Donc le pKa de ce couple, c'est donné par les tables, et on a un pKa qui est évalué à moins 7. Et on sait que plus le pKa est faible, plus l'acide est fort. Et plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée est faible. Donc le chlorure ici est une base qui est relativement faible. Et juste pour rappel, si on regarde la réaction acido-basique de l'eau avec HCl, eh bien on sait que l'eau peut ici arracher le proton au chlore, de manière à former l'ion H3O+, et l'ion chlorure, Cl-. Et on sait, on l'a vu en chimie générale, hein, que cette réaction n'a lieu que dans ce sens-là, c'est une réaction qui est totale avec l'eau. Hein. Donc ça veut dire que si on regarde la capacité du chlore à aller capter à nouveau ce proton, eh bien en fait, ça n'a quasiment pas lieu. On sait que l'ion chlore ici ne peut pas aller arracher le proton, donc c'est une base qui est très faible. Dans le cas de l'ion chlorure d'ailleurs en solution aqueuse, on dit même que c'est une base qui est inerte, qui ne réagit absolument pas. Donc on va regarder un autre exemple avec l'ion éthanolate à nouveau pour regarder si c'est une base forte ou une base faible. Donc pour ça, il faut regarder le pKa de l'acide conjugué. Donc je regarde l'acide, il suffit de protoner ici cette partie de l'ion, j'ai donc ici l'éthanol. Et si je regarde dans les tables, le pKa pour l'éthanol, c'est 16. Donc ici j'ai un pKa qui est relativement élevé par rapport ici au pKa de HCl. Plus le pKa est faible, plus l'acide est fort. Donc plus le pKa est élevé, plus l'acide est faible. Et on sait que plus l'acide est faible, plus la base conjuguée est forte. Donc ici, l'ion éthanolate, eh bien c'est une base forte. Relativement à l'ion chlorure, évidemment. On compare en fait des espèces entre elles. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'on peut généraliser sur quasiment tous les ions qui sont alcoolates, donc tous les R au moins, vont pouvoir être classifiés dans les bases qui sont relativement fortes. Donc voilà pour le caractère nucléophile et le caractère basique des différentes espèces. Et voilà comment on peut les étudier et les classifier suivant s'ils sont nucléophiles forts, nucléophiles faibles, base forte ou base faible. Et ce qu'on va faire, on va essayer de classifier bien l'ensemble des espèces qu'on va rencontrer lors des réactions d'élimination et de substitution pour pouvoir ensuite, dans les vidéos suivantes, comparer les réactivités selon les mécanismes. Donc on va commencer par essayer de classer donc des nucléophiles forts et des bases faibles. Donc on a vu précédemment qu'on avait les halogènes qui faisaient partie de ce groupe. Donc on va pouvoir citer l'ion chlorure, l'ion bromure,
l'ion iodure. Donc voilà pour trois ions halogénures qu'on va pouvoir classifier comme nucléophiles forts et bases faibles. Donc le caractère nucléophile, eh bien on a bien tous ces doublets non liants, et la charge, donc on a bien un caractère nucléophile qui est fort. Et base faible, eh bien comme on l'a vu en fait, eh bien les acides correspondants sont des acides forts, donc ce sont des bases faibles. Ensuite, eh bien on en a vu un autre qui est le thiol, qui est de la forme RSH, qui va pouvoir être classifié parmi aussi les nucléophiles forts et les bases faibles. Alors nucléophile, on a bien la présence ici de ces deux doublets non liants, et puis on a une forte polarisabilité ici autour de l'atome de soufre, donc on sait qu'on a un nucléophile fort. Et puis on sait que c'est une base faible aussi, parce que si on regarde le pKa de l'acide conjugué, eh bien l'acide conjugué ce serait avec un S qui serait protoné une fois de plus, eh bien on aurait des pKa qui sont relativement faibles. Donc on a bien ici une base faible. Et on peut dans cette liste ajouter une autre espèce qui est HS-. Donc HS- aussi est à classifier parmi les nucléophiles forts et les bases faibles. Donc la particularité en fait de toutes ces espèces, c'est que lors des réactions que l'on va regarder, eh bien ils vont agir comme si c'était uniquement des nucléophiles. Le fait ici que le caractère basique soit faible fait que seul le caractère nucléophile va être à prendre en compte. Donc maintenant, on va regarder les espèces avec un comportement tout à fait opposé, donc des nucléophiles faibles et bases fortes. On a dans ces espèces-là l'ion hydrure, qui est l'ion H-. Donc juste un atome d'hydrogène qui porte ici son doublet non liant, donc il a ses deux électrons avec lui. Alors ça a bien un caractère de base, hein, parce que facilement cet ion hydrure peut aller capter un proton pour former le dihydrogène H2 qui est une molécule stable, donc on a bien affaire à une base forte. Et pourquoi en fait on a affaire à un nucléophile faible alors qu'on a un doublet non liant et une charge? Eh bien il faut revoir ce qu'on a dit sur la proximité de ces électrons par rapport au noyau. Ici en fait l'ion hydrure c'est une espèce qui est toute petite, qui est une taille vraiment, vraiment très faible. On a juste le noyau avec le proton, et puis on a ici deux électrons qui sont dans l'orbital à 1s, qui sont confinés proches du noyau. Donc en fait, pas du tout disponibles pour aller faire une attaque nucléophile, parce qu'ils sont très très proches du noyau, très attirés par le noyau. Donc on n'a pas de caractère nucléophile ici. Donc on a affaire uniquement à une base forte. Et lors des réactions, en fait, cette espèce va agir uniquement comme base. Donc il nous reste maintenant eh bien les deux caractères intermédiaires. Donc on va regarder les nucléophiles forts qui sont aussi des bases fortes. Et donc ce qu'on a vu, eh bien l'ion éthanolate d'abord, comme ceci, qui est bien un nucléophile fort parce qu'il a tous ses doublets et puis ici cette charge formelle qui en fait un nucléophile fort. Et puis c'est bien une base forte parce que le pKa de l'acide conjugué de l'éthanol est de l'ordre de 16. Donc de la même façon, tous les ions alcoolates vont être considérés comme des nucléophiles forts et des bases fortes pour les mêmes raisons. Présence ici d'un fort pôle avec les doublets non liants, la charge formelle négative, donc ça en fait un nucléophile fort. Et puis base forte parce que le pKa de l'acide conjugué, de l'alcool conjugué en fait, est assez fort. On a des pKa qui sont de l'ordre de 14, 15, 16. Et puis parmi ceux-ci, on peut aussi citer tout simplement eh bien l'ion hydroxyde HO-, qui lui aussi a son caractère qui est nucléophile, avec ses doublets ici non liants très disponibles à l'attaque, et puis sa charge moins. Et puis c'est aussi une base forte qui peut très très facilement capter un hydrogène pour donner H2O. Et enfin, on va voir les nucléophiles faibles, bases faibles. Et pour les reconnaître, eh bien, il suffit en fait de protoner ces espèces-là. Voilà, donc on va protoner l'ion éthanolate, donc on va avoir ici l'éthanol. De la même façon, les ions alcoolates qui vont nous donner les alcools. Et puis H2O ici. Donc de la même façon, ils ont bien un caractère nucléophile, parce qu'ils ont des doublets ici qui sont non liants et qui peuvent être disponibles pour une attaque. Mais en fait, ce caractère n'est pas très prononcé. Et ensuite, c'est des bases faibles, parce qu'avec ces doublets ici non liants, ou comme l'H2O, ils peuvent aller capter un proton, mais de la même manière, ce caractère ici basique n'est pas très prononcé. Parce que l'acide conjugué est plutôt un acide fort. Il faudrait protoner à chaque fois ces oxygènes, ce qui donne des acides forts. Donc voilà pour la classification des nucléophiles et des bases, selon leur caractère et selon leurs différences. Donc il faut absolument savoir faire cette classification, comprendre les subtilités de ces différents comportements, pour pouvoir regarder maintenant, dans les deux vidéos qui suivent, eh bien les compétitions entre les réactions d'élimination et de substitution nucléophile.